Alors, visiblement, ici, j'ai loupé un boss. En fait, là, je regardais sur YouTube la vidéo d'un speedrun et je vois qu'ici, il y a un boss, enfin, deux boss. Donc, je suis au château du Lion Rouge, hein, là où on a affronté Radahn, là, au festival d'arts martiaux. Voilà, et là, je vois qu'il y a la porte, là, fermée. Donc, je me dis qu'en effet, cela prouve qu'il y a un boss. Alors, j'ai quoi comme rune déjà? Je vais activer. La rune, je crois que c'est ce qui me donne plus de PV, ouais. Enfin, on va avoir un max de PV. Donc, si j'ai bien vu, parce qu'après, comme d'hab, hein, quand je vois un truc que je connais pas, je coupe, hein, je coupe pour pas trop me spoiler, mais je crois que j'ai vu un chevalier du creuset. Donc, je suis niveau 163, et là, je suis équipé de la lame blasphématoire qui a plus 10, hein, donc qui est à fond. Hein. Ok, bah écoute, allons-y, hein, on va voir ça. Allons-y gaiement. Ah ben je peux invoquer, ah merde, tu vois, attends. Bah tiens, ben, je vais tester là mes villageois là. A plus, je sais plus à combien je les ai mis là. N'importe quoi. Ouais, tu vois, il y a bien un chevalier du creuset. Voilà. Ouais, heureusement qu'on a fini à temps. Ouais, je vais le défoncer là. J'en ai connu d'autres là, des chevaliers du creuset. J'en ai connu d'autres plus puissants, mais là oui en effet là je suis beaucoup plus puissant que ce qui était prévu. Hein. Donc là ouais. Ah il est pas mort. Ah, je mets quand même le scarabée d'or. Ah, espadon des ruines. Et ah ouais, bon, 20 000 runes. Là aussi, j'ai tué un cavalier crépusculaire qui m'en a lâché 40 et quelques mille. Donc, dès qu'on équipe, en fait, je fais ça tout le temps. Dès que je tue l'ennemi en question, direct, je mets le scarabée d'or pour avoir le max de runes. Alors, donc, ça voudrait dire qu'au Lion Rouge, c'était pas terminé l'exploration là, parce que là, il m'indique encore vers là-bas, là. Donc ça voudrait dire que j'aurais fait l'erreur de penser qu'une fois que le boss de la zone était terminé, bah, que c'était terminé. Non, non, là il m'indique la direction du festival d'arts martiaux. Une zone excellente, hein, le château du Lion Rouge, hein, l'ambiance dans cette zone-là est absolument incroyable avec la musique, tout ça là. Et puis surtout c'est un festival d'arts martiaux, merde quoi. Festival de combat, on affronte Radahn, le fléau des astres. Qui était un boss très dur. Hein. Bon là oui, hein, je m'attendais pas à souffrir hein, là pour ce combat que je viens de faire. Hein. C'était évident que j'allais m'en sortir. Pour la simple et bonne raison que là, évidemment, là j'arrive avec 100 niveaux de plus que la première fois que j'y étais. Alors bon, je sais pas si exactement j'avais 100 niveaux de plus, mais en tout cas, voilà quoi. Évidemment que ça allait se passer sans problème. En plus avec la lame blasphématoire, elle est très efficace comme arme. Hein. Vraiment, je suis à fond dedans. Bon ben voilà, c'est fait.